Bonjour Prisca, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mindak, je pratique le karaté et j'ai gagné la Coupe de France en novembre dernier. Donc le confinement, pour moi, depuis. En fait, je suis arrivé mardi dernier, donc ça fait déjà une semaine. Et c'est pas forcément évident parce que j'aime bien être dehors, sortir et puis voir un peu de monde, donc voilà, mais en tout cas ça a du bon dans le sens où de prendre du recul un peu sur mon quotidien, et puis après j'ai de la chance d'être avec Dodi et de pouvoir échanger sur nos idées et de partager un peu notre façon de voir les choses, très enrichissant en tout cas pour moi. Après, le fait d'être fan de développement personnel, ça me permet de prendre du temps pour lire les livres que je n'ai pas lus ou que j'ai déjà lus. Et il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, il n'y a pas longtemps, que quoi qu'il nous arrive dans la vie, en tout cas, c'est pour une raison. Donc là, aujourd'hui, c'est le confinement. Je pense qu'on peut trouver quelque chose, en tout cas, de positif dedans. Si on cherche bien. Et aussi, ça peut aussi permettre de booster notre créativité pour trouver des occupations. Et aussi, pour tous ceux qui sont en famille, de profiter de leur famille. Et pour ceux qui sont tout seuls, peut-être de se retrouver avec soi-même et de se connaître peut-être mieux soi-même. De toute façon, si toutefois on n'a vraiment pas d'idée, grâce à Internet, avec tout ce qu'il y a, en tout cas, comme information et comme chose qu'on peut apprendre. Donc, je pense qu'on a de quoi faire. Et le plus important, c'est que tout le monde prenne conscience que c'est important de pouvoir respecter, en tout cas, ce qu'on nous demande, avec tout ce qui se passe en Europe et dans le monde. Surtout comme en Italie en ce moment, il faut, je pense, prendre les choses au sérieux et juste être vigilant et puis respecter en tout cas ce qu'on nous demande de faire. Je pense que si tout le monde reste à la maison, ça sera pas mal. Et je vous dis à bientôt et bon confinement en tout cas.